Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas. Comme pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Toffee Toff et je vous propose une émission qui s'appelle Juste une vie. Et aujourd'hui, on va continuer donc un épisode 4 de GTA 5. Et on va ramener donc le fils de Michael tranquillement chez lui. On peut voir la petite balade qu'on a à faire en ce début de vidéo. Et puis dès qu'on arrivera là, il y aura certainement un petit écran de chargement. Opa, bonjour. Je suis tombé amoureux. En direct. En début de vidéo, comme ça. J'ai croisé la femme de mon cœur. Bon, trêve de conneries. On va rentrer tranquillement. Allez, ça passe. J'ai pas trop de champ de vision, donc on va, voilà, on va pas y aller comme un bourrin. J'imagine pas le boulot que ça représente, hein. Tous ces dialogues et tout. C'est qu'il y en a 50 millions dans tout le jeu, il y en a qui sont différents par rapport à si vous relancez la mission et tout. Je sais pas combien de temps ça leur a pris au total de faire tout ça, quoi. Mais je serais pas contre un GTA 6, hein, même si il est pas près d'arriver. Je pense qu'ils sont déjà dessus. Au minimum, ils ont un scénar. Minimum, à l'heure où on parle, ils ont un scénar, ils ont peut-être 2-3 démos techniques et tout, mais ça doit s'arrêter vraiment là pour l'instant. Hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so. My mom was kind of a skank back Cette réplique est quand même terrible. Yeah, whatever, homie. Peace. Mon frère d'une autre mère. C'est d'un ridicule. Allez, c'est parti, on repart avec Lindsay Lohan, comme d'hab. Hein. Moi, je te tends mon majeur, tiens. On est dans du GTA, on peut se permettre. Si Lindsay Lohan regarde cette vidéo, Lindsay Lohan, fuck you. Je suis incapable de citer un seul de ces films, quoi. En fait, en disant ça, je réfléchis. Attendez. Si, je suis capable d'en citer deux. Deux films de Lindsay Lohan. Si. Deux, malheureusement. Putain, ouais. Deux. C'est deux. Elle a quand même fait deux films que je connais. Je pense au Retour de la Coccinelle et... Par contre, j'ai pas le titre, le deuxième. Le Retour de la Coccinelle, qui est bien chiant. Une bonne bouse et celui où elle est dans le corps de sa mère et inversement, quoi. Chop. Eh ben, on va chop. On va chop. C'est parti. Allons vers chop. Allons vers chop. Pourquoi je me suis mis sur Lindsay Lohan? Pourquoi je... Ça fait combien... C'est la deuxième fois que je vous parle en deux vidéos de Lindsay Lohan. On arrête d'en parler. C'est acté. À partir de ce moment. Je sais même pas quel jour on est. Mais on va dire à partir de cette vidéo. À partir au moment où je vous publie cette vidéo. On ne parle plus jamais de Lindsay Lohan sur ma chaîne. C'est fini. On n'entend plus jamais son prénom. Hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the patriarchy. We are women. You're our king. We are women. You're our champion. We are women.
Snap, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got... I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. Alors j'ai rien contre le trip cougar, mais là quand même, mec, je trouve que tu vas juste un poil trop loin. Salut mon futur chien. Toi t'es un personnage que j'ai surkiffé dans ce GTA. Est-ce qu'on a parlé de Red Dead Redemption 2 depuis le début de ces juste une vie, je sais même plus. Je ne sais plus si on en a déjà parlé, mais j'avais un petit kiff, moi, un petit truc qui me plairait bien dans un Red Dead 2, histoire d'avoir une interaction très différente avec les personnages. Ah bah voilà, on a besoin de ça. Je me dis que s'ils repartent dans un trip plusieurs personnages jouables, j'aimerais bien une femme qui a la mythigène, mais je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit ou non. Je trouve qu'au Far West, si on est vraiment dans l'époque pure Far West, comme ça a l'air d'être le cas, et pas trop à la transition comme c'était dans Red Dead Redemption, le premier. Là, je sais que je fais pas le poids, quoi. Donc, je tente pas de passer en force. Donc, je me dis, ouais, ça pourrait donner quelque chose de très sympathique, avoir des scènes vraiment très intéressantes. Il y a aussi la rumeur de qu'on jouerait un personnage indien. C'est peut-être temps, tiens, qu'on ait un personnage indien jouable dans un western. Déjà que des westerns, il y en a pas énormément dans le jeu vidéo. Et tant que je suis en train de parler de ça, il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit. Je trouve qu'il y a une licence qui a jamais eu vraiment le droit à un vrai jeu et à un bon jeu. Et pourtant, je trouve que l'univers se porte très bien. C'est Zorro. Je trouve que Zorro, en tant que personnage, je comprends pas qu'on ait jamais eu plus de jeux, au moins tentés. Alors, ils auraient peut-être été tous mauvais, hein. Mais Zorro, il y a une véritable ambiance aussi, très particulière, qu'on peut vraiment faire quelque chose de très sympathique. Et je comprends pas que ça ait jamais été tenté. Il y a peut-être des questions de droit et tout qui sont super compliquées envers Zorro, je n'en sais rien. C'était juste une idée comme ça, mais je trouve que c'est un personnage quand même qui a un rayonnement international assez fort. Donc je me dis que ça pourrait marcher même au cinéma. Ça a complètement disparu, Zorro, depuis quelques années. Je sais même pas si ça se trouve il y a des films en préparation, ça se trouve il y en a pas, j'en ai aucune idée. Mais voilà, vous parlez comme ça pendant qu'on roulait. En fait, j'ai pas écouté l'histoire. On est venu pourquoi? Pourquoi on vient faire chier ce type? Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Il est en moto, on ne va jamais le rattraper avec une bagnole comme ça. Je la sens mal cette mission. Je la sens super mal. Putain, est-ce que ça va être la fin de mon juste une vie? Où je vais réussir à être un poil concentré. Ok, on le voit. C'est déjà une bonne chose. Il va où? Il va par là. Ok. Ok, ça c'est tranquille. Mais voilà, je serais pas contre un jeu Zorro si jamais il y a des développeurs qui m'écoutent.
Alors je sais pas si en Kickstarter ça marcherait, Zoro. Mais dans un monde ouvert et tout. Ouf. Oh le bon chien, il va me l'attraper. Ok. On passe par là. Allez. Subirai des dégâts. Je vais subir des dégâts, mais je. Je suis paumé où est ma jauge d'endurance. Ok. Par contre, je sais plus du tout où est le type. Hein. Je vais être honnête avec vous. Allez, Shop. Trouve-le-moi. J'arrive plus à le faire courir. Il se dirige un peu automatiquement, ce chien. Ah oui. On se met en vue intérieure pour cette magnifique séquence. Allez. Je suis désolé, c'est très méchant de faire ça. Je détesterais qu'on me le fasse. Ok, je suis obligé d'ouvrir de l'autre côté, c'est ça. Ok, bon, on va ouvrir par là. Allez, chope-le. Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get in. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. Shit. I said I had no beef, man. Shut the hey, fuck up. Hey, man, what the fuck? You, get this fucking dog away from me. Come on. Fuck. Hey, if you don't train Chop, he gonna be a lost cause like you, dog. We gonna stay. Je sais même pas ce que j'ai un foutre dans cette histoire. C'est... à cause de Zoro et de Calamity Jane et d'un jeu qui regrouperait Zoro et Calamity Jane, même si bon, il faudrait qu'un des deux fasse beaucoup de voyages pour qu'ils puissent se rencontrer, mais be quiet, I gotta make a call.
Ok, ça passe. Ça passe tranquille, toutes ces intersections. Donc c'est bon, ça. Là, on va défoncer un peu de panneau. Voilà. What the fuck you done? You just gave him our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. Ah merde, c'est peut-être. Ah non. Non, c'était là. What the fuck? Fuck you! I'll be seeing y'all soon. The only reason you've been seeing shit because we went easy on your ass. Remember that, dog? The OGs don't hear about this. This is some bullshit. Take me down the cut. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? Alright, motherfucker. You the motherfucker. Et bah voilà. Sauf que l'émission commence à se rallonger là, parce que j'en suis déjà à 16 minutes. I'm a motherfucking gangster, you know how I do. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't. Mission terminée, réussie. Mission réussie. Et bah voilà. On a fini shop, on va pouvoir commencer la prochaine tranquillement. On va d'abord se retaper ce petit temps de chargement, on va rien dire. On va rien dire sur ce personnage qui vient d'apparaître à l'écran. Je ne la regarde pas, je ne fais comme si elle n'existait pas. Et ce sera pas fait. Allez, 20%. Allez, 30. Fais-moi péter les 30, merci. Mets-moi du 40. Mets-moi du 90 direct. Fais pas chier, mets du 90. On veut que ça s'enchaîne. On veut que ça s'enchaîne, on en perd du temps avec ces écrans de chargement. Mais voilà, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Et donc, eh ben, si je survis, eh ben, cool, il y aura un épisode 5, or qui ne sera pas tourné tout de suite. Parce que je vais aller manger après, je commence à avoir la dalle. Mais chut, je ne vous ai rien dit. Et puis je reprendrai les enregistrements certainement après. Après avoir becté un peu. On va lancer la prochaine. Hein, au lieu de. On va mourir dans les 30 secondes de la prochaine mission. Mais bon. Conseil conjugal. Et bah c'est parti. C'est parti pour ce petit conseil conjugal. On va bien voir. Bon bah 5 épisodes, ça va. Ça va, là je suis un peu plus confiant de ce que je fais, même si je pense pas qu'il y ait eu énormément d'émissions où j'aurais pu échouer. Je pense que depuis la ruelle où ça a canardé, j'ai pas eu de moment réellement dangereux pour moi, donc... Not in my house. Fuck you, Michael. Go away. I'm paying that turd $150 an hour to fuck my wife in my own bed? Michael, go away. No, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. I'm gonna arrange your fucking funeral. I'm really sorry, bro. I'll comp the session. I promise. You are dead, man. Fuck. Dead. Come here. Ah! Fuck, man. Hey, you. Stop it. What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a prick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Allez, c'est parti. On va commencer à suivre un peu ce prof de tennis. This truck yours? Guy's doing some work for me. You'll get it back. C'est le prof de tennis qu'elles sont. J'étais parti sur un prof de yoga dans mon esprit. Allez, on essaye de. Hop. Dégage. Fuck man,
on va conduire jusqu'au canyon, mais hop, on verra ça donc dans la prochaine vidéo. Allez, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode 4 de GTA 5 sur mon Juste une vie, et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous, bye bye.